Monsieur le directeur, on est dans quelle école ici? Wedbat, qui est dans la région de Sidi Slimane, à 2 km de Sidi Slimane. D'accord, combien de classes? 12 classes. 12 classes, oui. Qui vont de quel âge? De 6 ans ou de quel âge? 15 ans. À 15 ans. D'accord. Vous avez aussi un centre de récupération, de formation pour les enfants qui sont un peu en retard dans leurs études? Un centre? Une classe. Une classe, oui. Une classe. Qu'est-ce qui se passe dans cette classe? Des soutiens, on donne des soutiens pédagogiques aux élèves qui ont des difficultés. D'accord. Alors, monsieur le directeur, je vois votre classe, oui. Et je regarde et je m'aperçois qu'en haut, oui. Moi, j'ai des plaques en ciment. Avec un trou ici, quand il pleut, ça doit être affreux, il faut mettre un seau. Et puis je vois que j'ai une classe qui est un petit peu, malheureusement, si je fais un peu le tour de ma classe, je me rends compte que j'ai une classe qui est, il y a des travaux à faire dans cette classe. Vous voyez, hein, je vois très bien qu'il y a des classes, c'est une classe qui est un petit peu, qui manque. Si on peut trouver une entreprise qui nous ferait la joie, le plaisir de pouvoir nous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin, par exemple? On a besoin de chaises, oui. Parce que les petites filles, elles sont trop petites. Oui, oui. Vous voyez, quand elles s'assoient, elles n'ont pas les pieds qui touchent par terre. Elles n'arrivent pas à travailler bien. C'est très mauvais pour leur dos, parce que malheureusement, elles sont constamment en train de tirer sur le dos. D'avancer. Donc là, c'est la colonne vertébrale qui malheureusement souffre, oui. Chez ces enfants. Et puis, on a aussi une classe qui est très très froide. Moi, je vois par exemple là-bas, hein, je ne crois pas me tromper, mais je vois, monsieur le directeur, je vois des fenêtres, mais j'ai pas de carreaux. Moi, si j'étais une petite fille, là encore, il fait chaud, mais au mois de février, ça doit pas être facile. Tu me fais un beau sourire? Coucou! Donc ici on a une classe. Alors si on a des donateurs, si vous pouvez nous faire plaisir, on a besoin de repeindre cette classe, même toute l'école. On a besoin de changer ce toit. Il faut faire un toit en ciment, il faut faire un toit qui soit isolé, avec de l'isolant. On veut des fenêtres en aluminium qui puissent s'ouvrir et se fermer, hein, convenablement, avec une certaine étanchéité. Et puis on veut des tables aussi. Des tables, parce que les pauvres petits bouts de chou, regardez, ils sont constamment en train de se tirer. On a des toutes petites filles qui sont toutes petites. Et ce sont des mobiliers qui ne sont pas adaptés. Hein. Alors bien sûr, quand on a des bottes, la jeune fille, là, la petite fille, elle a des bottes, encore il fait chaud. Mais moi, je vois des enfants qui parfois n'ont pas de bottes. On a des tongs. Hein. On n'a pas toujours les moyens pour acheter des chaussures. Donc c'est là. Donc, si on peut avoir notamment des vêtements d'enfants, une société qui nous refait cette classe ou d'autres classes, et si on peut avoir du matériel pédagogique, on a besoin de livres, de cahiers, de stylos, on a besoin de beaucoup de choses dans cette classe, eh bien écoutez, tous ceux qui pensent que nous devons être tous ensemble pour un Maroc fort vont essayer de se mobiliser. Alors on vous remercie, et puis je pense que... Coucou. Coucou. Voilà. On veut des cahiers, on veut des livres, on veut pouvoir avoir du matériel. Qui c'est qui veut du matériel? Qu'est-ce qu'on dit tous? On dit vive le Maroc. Le Maroc, le Maroc, vive le Maroc. Vive le Maroc. Vive le Maroc. Vive Sa Majesté le Roi, vive le Roi, vive le Maroc. Vive le Maroc, vive le Maroc.
Vive le Maroc, vive la jeunesse marocaine. Tout ça, c'est la jeunesse marocaine. Ça, c'est le ferment, c'est le futur du Maroc. On doit les aider, il faut nous aider. Docteur Mouna Belhamine, vous qui êtes vice-présidente de l'association, je crois que vous avez beaucoup de travail ici. Il va falloir que vous fassiez beaucoup de visites dans cette école. Il va falloir apprendre aux gens à se soigner avec des plantes. Il va falloir, si vous pouvez, contrôler que cette école puisse... On va suivre l'évolution de ce qu'on peut faire sur cette école. On va essayer de se réunir. On va demander à tout le monde, qu'est-ce qu'on veut, hein, en arabe, qu'est-ce qu'on veut? On veut des... On veut des livres, on veut des cahiers. Allez, allez, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Allez les enfants, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On veut des jeux, on veut des poupées, on veut des vélos, des vélos. Hein? On veut des vélos, vous voyez, ce sont des enfants, on voit que certains pour leurs chaussures, on est quand même en hiver et on voit quand même que les petits, ils n'ont pas de chaussettes ou de chaussures. Donc c'est froid le sol c'est tout cassé, c'est du ciment là, c'est des trous, on est proche de la terre, donc on attrape des rhumes. Et puis les rhumes après, ben, les mamans ils n'ont pas l'argent pour nous amener chez le docteur. Alors obligatoirement, ben, des fois ça tombe sur le cœur. Donc les enfants, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être bien, ils veulent être comme tous les enfants du monde. On est à pas très loin de l'Europe, hein. Le Maroc c'est un pays qui se développe. Donc ce qu'on veut c'est surtout trouver les moyens d'étudier dans de bonnes conditions et ne pas attraper froid. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Et vous dites à quel chokron. Merci. Chokron. Chokron. Merci.